Béladji, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien alors. Attention à mes pieds quand même. Chose bien étrange, une épuisette à papillon, je sais pas à quoi c'est, rose avec quoi dessus, la morine. Thank you.
Eh bien, nous avons de la visite. Alors là, c'est Mademoiselle Christelle, là. Ah, Monsieur Bandit, là, en noir, qui va rejoindre Gigi, la mère, qu'on entend miauler quelque part derrière les buis. Christelle. Et là, Monsieur Brocantel. Alors voilà, on reprend. Alors là, c'est la poubelle. Avec la maison dans les buis. Qui s'appelle Arcana. Au lieu dit Lacoum d'Azazel à Rennes-le-Château. Alors nous voyons au bout de la route les Labadous. Un gîte tenu par des Hollandais, monsieur et madame Rameyer, qui était il y a 24 ans la demeure d'Elisabeth Van Buren, une américaine. On va laisser passer la voiture.
Mardi 29 janvier. Alors hier, j'ai trouvé ce balai déposé là. C'est moi qui l'ai mis dans l'anneau là. Il était là. Ce balai qui ressemble à un balai de sorcière. Je ne sais pas trop le sens qu'il faut y accorder. Mais voilà. Alors, peut-être on veut me dire qu'on est en train de faire le ménage et que on va balayer. Je ne sais pas. Bon, mais voilà. Je descends à Cuisa. En route pour le centre de test psychotechnique pour la voiture. Bon, le temps, toujours pareil. Bon, mais j'y vais parce qu'à pied j'en ai pour une heure pour descendre à Cuisa. Alors, quelle heure est-il? 9h. Ariane nous dit qu'il est 9h. Elle se balade entre 9h et 7h. Où est-ce qu'elle est, les orques? Bon, il y a le temps. Ça se dégage un petit peu après l'orage qu'il y a eu, le froid qu'il y a eu. Attentive, hein. Elle a senti. Ah, tiens, l'arme qui a été mise là a disparu. Quelqu'un a récupéré l'arme qu'il y avait là. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens. Carrière est dans le coin. Ça, il y a l'étoile d'araignée. Bon, alors on a perdu une arme là. On s'est fait tirer une arme. Ah là 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 là. Bon, il y a ça que j'ai mis il y a deux jours et le masque a disparu. Alors le masque de screen a disparu aussi. Bon, il y a toujours un boudin, le millenium. Les armes.
qui reste. Hein. Ah, et le dragon a disparu aussi. Ah non, il est par terre. Bon, je vais le ramasser. Voilà, donc j'ai remis le dragon. Bon. Ça, c'est un bol qui m'a été donné par Mona de Rennes-le-Château il y a quelques années déjà, facilement bien 5 ans au moins. La bombe banania, comme au bon vieux temps. Bon, et voilà, hein. Voilà. Bon. Aujourd'hui, mardi, je ne sais plus combien, mais donc une petite surprise dans la boîte aux lettres. Quelqu'un a pensé à ma solitude et nous a donc offert cette revue. Qui est Swing. C'est pour les annonces. Alors, c'est un truc un peu pour nous amateurs, d'après ce que je vois. Un couple. Pour photo amateur. Bon. Pour les adeptes militaires. Voilà. Alors de temps en temps, on me fait des dépôts comme ça. De revues plus ou moins porno. Bon, ben, on voit que les bombardements ont été efficaces depuis 2 ou 3 jours là, même plus que ça bombarde. Donc, sans surprise, le ciel est voilé, bouché complètement, comme on va dire à l'ordinaire. Bon, ben, je vais prendre ma revue. Et on va voir ça à la maison. Alors, mardi 6 mai toujours. Eh bien, il y a 5 minutes là, on vient de m'apporter ces fusils mitrailleurs qui m'ont été amenés par Thierry, le Belge de Rennes-le-Château. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça signifie, mais là je sais qui c'est qui me les a donnés. Donc, nous avons 3 fusils mitrailleurs en plus des 3 BD. C'est 2014. Alors aujourd'hui, là il est 10h02 légal. C'est-à-dire 8h solaire. Donc, une nouvelle petite surprise nous attend. Et nous avons la visite de Bouddha. Bien sympathique. Bonjour. Voilà. Donc, nouvelle livraison.
Urgent élection. C'était donc hier les élections municipales. Élections européennes. Elle est jolie, hein. Bon, mais je vais la ramener en haut, je ne vais pas laisser en bas. Voilà, donc notre cadeau du jour. Voilà le Bouddha qu'on m'avait amené. Toujours là. Ça va? Encore faim? T'arrêtes pas de manger aujourd'hui? Alors la température s'élève à 22 degrés, on peut dire que il fait chaud. Aujourd'hui c'est l'été. Et nous sommes... Pousse-toi. Alors, on est quel jour? Ah. Difficile de tout faire à la fois. C'est bien. Ah, là, tu veux faire. Donc on est mardi le 8 juillet et il fait 22 degrés Celsius et il est 16h05. J'ai loupé le zoom là, comment on fait? Alors, nous sommes le mardi 2 juin 2015. Et là, j'ai un peu les boules, là, je suis un peu en colère. Parce que je viens de voir qu'on nous a volé le bâton. Il y avait un bâton, là, au-dessus duquel il y avait... la statue, l'effigie de la dame de Brassempouy. Et là, sur le bâton, et le bâton a été volé. Mardi 2 juin toujours, oui je disais donc dehors, on va peut-être mieux entendre, hein, qu'on m'avait volé le bâton sur lequel il y avait la petite tête de la dame de Brassempouy qui était dehors. Je viens de m'en apercevoir là tout à l'heure. Alors ça me contrarie. Voilà. Donc le bâton qui était dehors, avec le dragon, a disparu avec la tête de la dame de Brassempouy.